Mobilisation en baisse et violence sporadique lors des manifestations anti-Coupe du Monde au Brésil hier. À São Paulo, le défilé s'est achevé dans la violence quand plusieurs dizaines de manifestants ont décidé d'aller se confronter directement aux forces de police. Environ 2000 personnes ont participé à la manifestation, soit beaucoup moins que lors des grands rassemblements de juin 2013. Pourtant, certains gardent leur détermination. L'année du Mondial sera une année de combat. Je pense que d'ici là, il va y avoir beaucoup de bagarres et de manifestations. C'est la suite de notre mobilisation de 2013. Un rassemblement moins important a eu lieu à Rio. Les anti-Coupes du Monde en dénoncent le coût, indécent selon eux, et n'hésitent pas à comparer les salaires irréels des grands footballeurs au budget alloué à l'éducation nationale, par exemple, au Brésil.